Salut à tous les amis, c'est PFR Foot F1. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager sur FIFA 20 et on affronte aujourd'hui le Bayer Leverkusen pour commencer. Alors nous sommes en retard, investir, ouais, terminé 2, 0 sur 2, ça c'est rempli. Atteindre la finale, ça va être compliqué. Se qualifier pour l'UEFA Champions League, on est cinquième actuellement. Et atteindre la finale, on est en demi pour l'instant. Offre de transfert pour Benchif. On va accepter. Chat joueur. Tu me fais plaisir. Voilà, et j'ai fait une équipe Ligue des Champions avec les meilleurs joueurs. Voilà, les meilleurs joueurs à chaque poste, droite à gauche, Félix et Lacazette devant, Barella et Paqueta au milieu. Voilà, et donc voyons, on va faire l'entraînement tout d'abord. Belcourt qui passe à 66 de général. Et on y va. Allez, ça a intérêt à envoyer. On y va. Est-ce qu'on jouerait pas en noir, peut-être? Noir et blanc, on va faire. Et mon banc, voyons mon banc. Marino, on va sortir, on va mettre. Non, on va rester comme ça. Allez, ben c'est parti. Deux buts sans en prendre face Très heureux de vous retrouver en direct de Londres. Salut à vous. Dans la cabine à mes côtés, un certain Pierre Allez, Ménès. et bien c'est parti. Récompensé, il retrouve le ballon. Gabriel Jesus. Oh, le ballon perdu dans. Ouais, la frappe. Le Ouh. gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ce centre. Alexandre Lacazette. Allez, Alexandre Pépé. qui peut poursuivre son offensive. Pour Diatta. La passe en profondeur. Et Diatta pour le Attention premier but du match. Attention, il suffit que cette équipe 1-0. inscrive un autre but et elle est qualifiée. Quand même un petit relâchement coupable là de la part de la défense, ce qui ne nous empêche pas d'apprécier cette chevauchée solitaire. Crépin Diatta, troisième but en Voilà, la UEFA Champions structure est League. ouverte, 1-0. Gabriel Jesus. Pépé, loin devant, vers Lacazette, qui a vu Diatta, Arsenal qui et peut Diatta poursuivre qui va son pouvoir offensive. accélérer. Cherche une solution. Crépin Oh, le but Diatta. peut-être. Ah Patrice. non! La Oh, casette. la casette et Ouais, l'arrêt peu du de gardien. parade. Attention, ce n'est pas terminé. Allez, au bout de ce corner, il y a la qualification. Il raille. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Oh, la bonne Félix pour inspiration sur cette passe. Diatta. Oh, et Diatta qui marque. C'est un but qui change tout, Oh peut-être, dans là là. l'optique de la qualification. Je sais pas où elle passe, mais elle est passée. 2 à 0 pour Arsenal. Ça risque vraiment de lui trotter un moment dans la tête. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux défendre? Tu mets ton corps en opposition. Oh. Ça part du mauvais côté, c'est pas de bol.
Du pied gauche, Diatta dans le trou de souris qui marque. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Un ballon pour l'adversaire. Ah, oh, Diatta. Sur l'offensive. Allez, il y a de l'espace devant lui. Et Paqueta pour le 3-0. Ils ont fait le plus dur maintenant. Soit ils essayent d'en mettre un autre, soit ils jouent à 11 devant le but, mais la qualif est en vue. C'est encore plus évident quand on revoit les images. On était dans une situation de jeu nettement plus favorable pour l'attaquant que pour le gardien. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. -0 et deuxième but pour Paqueta en Champions League. Alexandre Lacazette et Pepe qui accélère. Nicolas Pepe. Attention le centre. Et Niles, la frappe, l'arrêt du gardien. Allez, une touche intéressante. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Et Saka, c'est là qui peut poursuivre son offensive. Mission, là. Tentative de loin. Oh, oh quel arrêt. Qui évite la déroute. Oh l'arrêt magnifique. Lui, son équipe est toujours vivante. Ouais, c'est bien défendu. Le centre est contré. Il était bien placé pour intercepter cette. Et place. La qualification. Je croyais pas trop au début du match et la réussite a été avec nous. Ouais, c'est fini, ça passe pour cette équipe qui voudra avant tout retenir l'état d'esprit qu'il a animé, le fait d'avoir tenu jusqu'au bout. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Il est pas beaucoup dans cette victoire. Belle place. Ah oui, merci Diatta. Un petit peu pour suivre son. PSG qui se qualifie pour les demi. Some questions regarding the match. Thanks for speaking to us. Et voilà la victoire. On est cinquième. Offre de chaque comment accepter. Match décalé. 10 millions pour la victoire en Ligue des Champions. Et allez, peut-être qu'on peut passer quatrième là en remportant ce match face à Norwich. Hop, ils veulent pas, le contrat n'est pas bon pour eux. La Pologne, non, ça m'intéresse pas. Et là, donc Norwich. On est à un point derrière West Ham avec une journée de moins, donc on repasserait devant à la quatrième place. Et voyons, et meilleur buteur Berenguer, 27 buts.
Martial, Kane, Sterling Aguero, De Bruyne, waouh, le nombre de buts. Félix Martinelli, nous, chacun avec 12 buts marqués. Derrière, est-ce qu'on a un joueur derrière? Après, on n'a personne. Et pour les passeurs, on a Félix Martinelli, 9 buts chacun. Après, on a Lacazette avec 7. Hollande avec 7. Pepe avec 6. Et c'est parti. On va mettre l'équipe 2. Boum. Voilà. Paqueta, Bukur, Restos, Saliba, Dalot, Costa, Saka, Pepe. À droite, on va mettre. Ouais, on va laisser Pepe. Parce que c'est notre meilleur joueur. Et c'est parti. En note, oui, Pepe est notre meilleur joueur. On va voir s'il va progresser plus ou pas. Suivre ce match avec vous. Vous commentez tout ça, vous pourrez compter sur moi et sur Pierre Ménès. En direct dans quelques instants, une rencontre de la Première Ligue anglaise, Norwich City contre Arsenal. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Hollande, qui sont bien placés Saka. pour se qualifier pour la Champions League. Regardez, il leur manque qu'un point, hein, Pierre. Ouais, un point, c'est pas forcément à l'extérieur, ce sera plus facile pour eux, mais ils savent qu'il reste à faire. Attention Pépé à ce corner. Vers Greenwood. Oh, et le but. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. Et En on gros, voit c'est comme qu'elle est si elle commençait rentrée. son match avec un peu de retard. Le ralenti, Pierre, et pour le coup, c'est net et précis, hein, grâce à la vidéo. Parce que c'était loin d'être évident avec Israël. Assez précis ce truc-là. Puis franchement, ça évite les scandales et les discussions sans fin d'après-match. 1-0, but de Greenwood, je crois. Ouais. Mason Greenwood, troisième but en première ligue. Et c'est Arsenal qui passe devant. Alors, il y a évidemment un joueur qu'on va suivre de près. L'ouverture. Le tir. Oh, le bon arrêt. On la voyait tous au fond. Mais le gardien. Ah, oh, la frappe de Guérin. Et l'arrêt du gardien. Et la victoire 1-0 d'Arsenal. Voilà cette équipe qui a mieux géré le match, hein, même si le score reste serré. No further question. Thanks for your time.
Et voilà. Allez, donc. Et là, on va jouer face à Chelsea. On est toujours derrière, mais on a un match en retard. Quatre joueurs. J'y songerai. De dormir, abandonné. Et là, on joue face à Chelsea. Puis, on va mettre Boli en défense. Face aux Blues de Chelsea. C'est vraiment le choc dans cette compétition auquel on va assister. On peut s'attendre à vraiment un gros match entre ces deux équipes. Salut tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver ici à Stamford Bridge. Bien évidemment en compagnie de Pierre Ménès qui est à mes côtés. Allez, fidèle, en direct dans quelques allez les gars, on assure. Rencontre de la première ligue anglaise. Pour adresser un centre. Enzo Pellegrini, équipe adverse infusée. Ouh, attention, la frappe et le but. Et que c'est beau, que c'est limpide, Pierre, le football quand c'est joué comme ça. Bah, ceux qui entendent parler de Titi Taka sans savoir ce que c'est, bah, je dirais bah, c'est ça. Lorenzo Pellegrini, premier but de la saison. Andrea Belotti. Oui, il y avait un espace. Et Diatta qui égalise. Et Arsenal qui égalise. Diatta qui fait une bonne fin de saison là. J'ai l'impression que cette équipe était complètement dominée. Eh bien la voilà qui a su sortir la tête de l'eau. Absolument, ils courent après la balle la plupart du temps. Ils ont du mal à ressortir les ballons. Mais sur cette action, ils ont joué le coup à fond. C'est son deuxième but en première ligue cette saison à Diatta. Le bon 1-2 avec Martinelli. Allez, faut le mettre celui-là. Oh, et Diatta pour le doubler. 2-1. Le but qui donne l'avantage à l'équipe. Un premier pas vers la victoire, mais c'est pas joué encore. Encore un doublé de Diatta. Qui, après son doublé face au Bayern, et bien là, met un doublé face à Chelsea. Que sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Très heureux que son équipe ait marqué un but, l'entraîneur visiblement, et de l'avoir prendre les commandes de ce match aussi. Je crois qu'Arsenal va changer un joueur, Pierre. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment du match. Chelsea qui est mené. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Pedro. Non. Jorginho, le gardien qui repousse, non. Il y a toujours danger. Ouh.
Ce match qui se termine donc à l'instant même. Oh là là, j'ai peur. Ouais, peu d'occasions au final, en tout cas moins que leur adversaire, mais ils s'imposent malgré tout. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour le doublé de Diatta qui donne la victoire à Arsenal. Eh bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. On